Voilà, nous avons dessiné ici l'intersection du plan MNP avec le cube. Donc, nous avons déjà deux points de ce plan, M et N, qui sont sur la face de dessus. Nous allons donc les relier. Et donc, le plan MNP coupe la face de dessus suivant le segment NM. De même, nous avons également deux points de ce plan qui sont sur la face de droite du cube. Donc, nous allons relier ces deux points. Et le plan MNP coupe la face de droite du cube selon le segment PM. Voilà. On essaie de faire quelque chose d'assez précis quand même. Voilà. Ensuite, eh bien, je sais que je connais encore un point P du plan qui est sur la face de dessous et un point grand N de ce plan qui est sur la face de droite. Alors je vais rester sur la face de droite puisque je viens de gauche, pardon, puisque je viens de dessiner le segment donc, qui est intersection du plan MNP avec la face de droite. Et je sais que donc, vu que la face de droite et la face de gauche sont parallèles, mais je sais que le plan MNP va couper la face de gauche suivant une droite parallèle à MP et qui passe par grand N. Donc je sais la tracer. Voilà. Cette droite, donc je ne vais pas tracer la droite, je vais juste tracer le segment dont les extrémités sont sur les arêtes du cube. Alors cette droite est dans le plan et dans la face de gauche, et donc elle va couper l'arête DH qui est également sur la face de gauche. Et ensuite, si mon dessin a été bien fait, de façon assez précise, vu que la face de dessus et la face de dessous sont parallèles, eh bien, normalement, donc je vais prendre ici la direction de MN, normalement, si mon dessin est bien fait, si je relie les deux points ici, ils doivent être effectivement parallèles à MN, ce que je vérifie, ce qui est bien le cas. Donc, je n'ai plus qu'à tracer en pointillé l'intersection du plan MNP avec la face de dessous. Voilà, qui est le segment que je viens de tracer maintenant en pointillé. Et j'obtiens donc un quadrilatère, donc un polygone, donc une surface plane délimitée par des segments. Ces segments sont les différentes intersections du plan MNP avec les faces du cube. Alors je peux éventuellement hachurer donc l'ensemble des points du plan que je cherche. Je vais sélectionner ceci. Ceci, je vais prendre. Je vais rester sur du rouge. Et donc à l'aide de l'outil, polygone ici, je vais redessiner le polygone. Voilà. Et donc, vous avez en hachuré ici l'ensemble des points du plan MNP qui se trouvent à l'intérieur du cube. Voilà, je vous remercie.